Arrivé de la veille, Yves Buissou, président de la chasse intercommunale de Bringues-Espagnac-Sainte-Eulalie, m'a fait découvrir un territoire de type carte postale à 360 degrés. Après une nuit passée à l'hôtel de la vallée, je rejoins la cabane de chasse située à quelques centaines de mètres de mon point de chute. Les fortes gelées de la nuit sont largement battues en brèche par un feu dans la cheminée qui réchauffe les corps et les cœurs. Il est maintenant temps de partir faire le pied. Yves Buissou coordonne l'opération. Pour ma part, je suis invité à suivre Guy et son chien Orion, avec qui nous allons tenter de remiser les sangliers du côté de la combe de Georgette. Le jour est à peine levé que nous voici à pied d'œuvre devant un paysage somptueux de combes et de forêts. Et c'est parti. Guy attache son complice Orion à une grande longe pour une petite heure de marche à la recherche des pieds de la nuit. De nombreux buissons bien exposés au soleil levant sont autant de remises potentielles pour les sangliers qui, par temps froid, affectionnent tout particulièrement les bouches confortables. On voulait sortir que 5 fois cette année. Doucement, on regarde, doucement. Avec Guy et Orion, nous allons descendre toute la combe de Georgette, en bas de laquelle Yves viendra nous récupérer avec le 4x4. Avant d'attaquer la fameuse combe de Georgette, Guy tient à me montrer où il a trouvé dernièrement les sangliers. Là, là ou là? Là, tout en cachère. Ah oui. Je crois qu'ils ne sont pas touchés. La lidone, la chienne. La lidone? Oui. Bon, alors. Donc, vaut mieux pas faire trop de bruit, je suis remonté. Je voulais descendre au laquais, ça va, mais c'est pas la peine d'aller fatiguer. On va descendre là. Tu veux descendre dans la combe à Georgette? Ouais. C'est bien, non, regarde. Tu viens? Ah! 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 Ah!
comme là. Hein. C'est comme là. Hein. Pas ailleurs. Non. Tu les trouves pas qui sautent le chemin? J'ai pas trouvé de sauter. Par contre, je trouve un moyen de monter au sapin. Tu sais, au départ, là, il y avait le sapin. T'as vu les pieds? Et non. Retour à la cabane de chasse, chacun fait son compte-rendu et ses commentaires. Les chiens commencent maintenant à sérieusement s'impatienter dans les 4x4. Visiblement, pas mal de sangliers ont été remisés. Le départ à la chasse est imminent. Il ne reste plus qu'à attendre les consignes de sécurité qu'Yves Bouissou, le président, va fermement rappeler. Mais peut-être encore. Et comment je fais, Marcel? Gilles Serre, parce que Yves est occupé. Que sur un animal que l'on voit bien, qui est bien identifié, il n'y a aucun doute, le fait de, quand on arrive au poste, il faut bien savoir où est son voisin, à droite, à gauche, devant, derrière, il faut bien savoir où il est. Et inversement, il faut bien se faire repérer du voisin. Ensuite, faire du tir fichant, surtout aujourd'hui que vous allez avoir des sols gelés, ne me tirez pas les sangliers à plat à 150 mètres. Hein. Pas question, hein, parce que là, les ricochets, on ne sait pas où ça va. Bon. Ensuite, bon, vous ne bougez pas de votre poste, vous attendez qu'on sonne. Ça risque d'être vers 13h ou un peu plus. Et on verra. Bon, mais sur ce, on va vous donner les postes. Directeur de battue, à l'occurrence Patrick Delcor, va vous donner, vous répartir les postes. Et on va pouvoir y aller. Bonne journée, à tout à l'heure. À deux, c'est bon ? Oui. Non, allez-y tous les deux. Vous allez tous les deux. Et tiens, au bout de combien de la voilà. Ils sont trois. Là. Il y en a un en haut, un trois. Il y en a. Et non, mais si, quand on aura fini à manger, on t'appellera. La discipline. Allez, hop.
Il passe à cette province des fois là-haut, bordel. 62 kilos. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu, il a traversé là-haut. Ah, ouais, ouais, oui. Alors que certains chasseurs n'étaient pas encore postés, un sanglier a profité de la situation pour s'échapper au nez et à la barbe de tout le monde. Bon, on va rester là. Posté à la jonction de deux carrales, je cherche le meilleur emplacement au milieu d'une végétation basse, toujours mise à profit par les sangliers, pour être intirable. Si on a quelques chiens, on va faire une deuxième attaque. Tant pis, on mangera plus tard, mais on s'en fout. En fait, tous les sangliers s'étant échappés à la suite d'un trou dans le dispositif, nous irons directement à la cabane, où un vrai repas de chasseurs nous attend. Écoute, nous, une fille qui travaille avec les communes, donc vous voulez... Fabricant de Stoffy, c'est lui, Michel Lac Michou. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te déconne. C'est avec grand plaisir. L'année dernière, avec Marcel, on avait escaladé, on avait fait l'alpinisme. Ce matin, on a traversé la forêt de Buis. Je me demandais où on allait à un moment donné, parce que je ne suis pas habitué chez moi à marcher à quatre pattes et on ne voyait pas plus de 2 mètres. On s'en est sorti, la preuve, on a trouvé le stockfish. Et après, derrière, autre chose, quand on parle du réchauffement climatique, mais sûrement qu'on ne devait pas avoir les mêmes personnages ce matin avec nous au fond des combes, parce que je trouvais que ça n'était pas trop réchauffé ce matin. Hein. On n'a pas été enquiquiné par les moustiques. Après, la chasse, elle est ce qu'elle est. Moi, ce que je peux vous dire au niveau du département, c'est que... Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a quand même moins d'animaux, beaucoup moins d'animaux que les autres années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes à certains points du département, mais il y en a beaucoup moins. Et sachons lever le pied quand il faudra lever le pied, si on veut s'amuser les années prochaines. Mais ça, je pense que tout le monde est grand garçon.